l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes tes choses. Tu étais, tu es et tu seras l'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit. Béni du ciel sur la terre, me réconciliant avec le Père, en bâtissant de plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Béni du ciel et sur la terre, me réconciliant avec le Père, en bâtissant et plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Ah, ah, ah. Par ta mort, moi j'ai la vie, par ta vie, moi j'ai la grâce, car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Par ta mort, moi j'ai la vie, par ta vie, moi j'ai la grâce, car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Oh, 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 oh. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraît ton attitude. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraît ton attitude. Oh, 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 oh. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel, ton règne est éternel. Alléluia. L'honneur, la gloire à toi, à notre majesté. Toi qui règne génération à génération. Amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous,
ami, vous m'appelez le maître, le Seigneur. Et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Les autres, comme je vous ai aimé, pardonnez-vous les uns les autres, comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous attend ma prière, et moi je vous dis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde en mémoire de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous. Aimez-vous. Étant sur ma 74e année d'âge, je peux vous affirmer n'avoir rien vu de plus beau et de plus salutaire que d'embrasser ce message, d'aimer Dieu et de se mettre au service de son prochain. Aimons-nous donc les uns les autres. You've been the rock that's love for me, and I'm alone in my heart.
Seigneur, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Merci encore d'être nombreux ce soir, cet après-midi, pardon, à prier avec nous ce soir. Alléluia. Je vais saluer le révérend Prosper. Je vais saluer la servante de Dieu, la sœur Joséphine. Je vais saluer maman Léa depuis Libreville. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais saluer aussi tous les bien-aimés qui sont connectés cet après-midi du côté du Congo, de la Belgique, de l'Allemagne, de Libreville. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir, encore une fois de plus, d'apporter la parole de Dieu cet après-midi et de prier ensemble. Alléluia. Ce matin, nous avons commencé un point de prière un peu particulier. Et nous voulons tout simplement continuer là-dessus parce que nous prions par rapport à la loi des éléments qui peuvent modifier notre prédestinée, qui peuvent modifier notre destinée. Alléluia. Et nous avons prié le matin avec le livre de Job au chapitre 38 que nous avons commencé hier. Alléluia. Et que nous sommes en train de continuer ce matin, cet après-midi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu et béni soit le nom du Seigneur qui fait toutes choses belles et bonnes en son temps parce qu'il est le Dieu fidèle. Alléluia. 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 La Satoro Sekere de Chandelere. Maraba Santoro Sibrele de Kabelele. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons prier avec le livre de Josué, pardon. Nous allons prier dans le livre de Josué au chapitre 10. Josué chapitre 10. Je vais déjà t'inviter à ouvrir d'abord ta Bible dans le livre de Romains, qui est notre passage de base. Romains au chapitre. Romains au chapitre 8. Gloire à l'agneau de Dieu. Romains au chapitre 8. Tu peux ouvrir ta Bible là-bas. Si tu es là, tu me dis Amen. Et puis je vais commencer à faire la lecture. Romains chapitre 8. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ est aussi fidèle. Alléluia. Partage, invite le maximum de personnes à se connecter cet après-midi. Je vois qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont connectées. Il faut que tu invites quelqu'un, il faut que tu partages comme moi j'ai partagé tout à l'heure. Tu partages tout ton répertoire. Et je crois que le Seigneur fera le reste. Donc, je suis dans le livre de Romains au chapitre 8 à partir du verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alléluia. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Amen. Et comme je disais, pour le moment, je ne touche pas encore le quatrième point que je dois toucher par rapport à ce passage. Nous sommes dans le livre de Josué et nous voulons regarder le verset du chapitre 10. Alléluia, le chapitre 10. Et vous allez voir quelque chose d'étrange qui a pris place. Alléluia. Quelque chose d'étrange qui a pris place dans l'histoire de cet homme. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes prédestiné à quelque chose, vous allez savoir que il y a aussi la nature, les éléments qui sont censés s'accorder pour que vous puissiez effectivement accomplir
ce pourquoi vous avez été prédestiné. C'est un point que nous négligeons beaucoup, mais je vais vous dire que Jésus lui-même, il a travaillé avec ça. Jésus lui-même a travaillé beaucoup avec ça. Lorsque vous lisez la parole de Dieu attentivement, vous allez vous rendre compte que le ministère de Jésus a été un succès parce qu'il n'a pas négligé des choses qui étaient rattachées à sa prédestinée. Jésus a été prédestiné à faire ce qu'il avait fait. Et comme toi et moi, nous sommes aussi prédestinés à faire des choses qui ont été écrites concernant nos vies. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi nous existons. Sinon, notre place ne serait pas ici. Malheureusement, il y a plusieurs vies qui ont été abrégées par l'ennemi ou encore par la manipulation des éléments de la part de l'ennemi. Et les hommes ont dit que non, c'était Dieu qui avait donné et Dieu qui avait repris. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une très, 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 très grande ruse de l'ennemi qui est constamment utilisée contre l'homme et contre surtout les hommes qui sont censés accomplir des œuvres pour la cause du royaume. Donc, dans le livre de Josué, au chapitre 10, hein, vous allez mettre un doigt au chapitre 10. Je vais lire le chapitre 1, que vous tous vous connaissez même par cœur, même si vous êtes en train de dormir, et puis on vous dit de prendre Josué chapitre 1, vous n'allez même pas avoir besoin d'ouvrir la Bible, parce que vous connaissez ça déjà par cœur. Le verset premier, je vais lire à partir du verset premier. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Alléluia. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire que le Seigneur a parlé à Josué avant que Josué même ne commence ses croisades. Avant que Jésus ne commence même son ministère, le Seigneur lui a dit que nul ne tiendra devant toi tant que toi tu vas vivre. Mais bien aimé, vous connaissez l'histoire. Vous savez qu'à un certain moment de son ministère, un peu plus loin, vers le chapitre 6, Jésus a commencé à rencontrer des problèmes. Alléluia. Il a même perdu des batailles. On l'a bastonné sérieusement. Il a perdu des hommes. À un tel point qu'il est venu devant le Père pour venir pleurer. C'était dû à quoi? Il y avait eu une modification de la destinée par rapport à ce qui avait été prédit. Vous voyez? Et c'était dû à quoi? C'était dû au péché. En fait, c'était dû à un interdit. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé, amen, dans la troupe et qui a ouvert une porte et qui a modifié, bien aimé dans le Seigneur, les paroles qui avaient été dites sur lui. Mais ce n'est pas là où je vais toucher cet après-midi. Cet après-midi, je vais toucher un point important sur la loi des éléments qui ont la capacité de modifier notre destinée, soit positivement ou à défaut de ça, négativement. Dans le cadre de Josué ici, vous allez découvrir que un homme qui est normal, qui a le souci d'accomplir sa destinée, doit pouvoir être capable de pouvoir donner une orientation aux éléments de la nature. Parce que les éléments de la nature sont constamment manipulés par l'adversaire pour modifier, alléluia, notre destinée. Alors, ici, vous voyez déjà que le Seigneur parle à Josué. Il dit à Josué que c'est toi qui feras rentrer ce peuple. Donc, en d'autres termes, dans la prédestinée de Josué, alléluia, il était écrit et c'était rattaché à lui que il devait, dans sa destinée, faire rentrer ce peuple dans la terre promise. Vous savez, à chaque fois que je pense à ça, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas cesser de prier. Lorsque je pose souvent des questions, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as rattaché à ma vie? Qu'est-ce que tu as rattaché à mon existence? Je parle au Seigneur, je dis, Seigneur, l'intelligence que tu m'as donné ça pourquoi? La connaissance que tu me donnes ça pourquoi? Permet que
que tout ce que tu as investi en moi puisse être au profit de ceux de ce que tu as prédestiné. Alléluia. Il ne faudrait pas que je meure avec ce que toi tu as investi en moi. Beaucoup de gens sont morts avec le talent de Dieu. Beaucoup de gens sont morts avec des capacités parce que tout simplement, l'ennemi est venu abréger leur existence. L'ennemi est venu abréger leur vie. L'ennemi est venu finir avec eux parce qu'il savait que s'il laisse ces gens-là tranquilles, ils deviendront un danger pour lui. Alléluia. Et nous avons besoin de pouvoir comprendre que nous ne devons pas seulement prier. Seigneur, donne-moi le père. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi les enfants. Parce que c'est devenu des prières communes. On appelle ça common prayers. Alléluia. Donc, ce sont des prières. Hein, c'est tout le monde. C'est ce que les gens cherchent. L'argent, les habits, la gloire. Mais vous ne comprenez pas que, bien aimé, le diable peut même venir t'apporter ça juste pour le fait de te maintenir dans le péché ou encore dans la perdition. Alléluia. Mais quand Satan commence à voir que tu commences à t'intéresser même aux éléments de la nature, parce que la Bible dit que la création tout entière, dans la création tout entière, là, bien aimé dans le Seigneur, il y a le soleil dedans, il y a la lune dedans, il y a l'eau dedans, il y a les poissons, il y a les animaux de la forêt, il y a tout, il y a l'or, il y a l'argent, la création tout entière soupire avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que si toi, tu te contentes seulement de chasser le démon qui vient là tout le temps, ou bien je ne sais pas quoi, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi va aller te tacler ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, on vous parle de l'écologie, on vous parle de beaucoup, beaucoup de choses. J'ai posé la question le matin, est-ce que vous pensez que Dieu est bête? En disant que non, voilà, vous allez avoir pour nourriture, dans le livre de Genèse, vous allez avoir pour nourriture les bêtes de la forêt et il va commencer à donner certaines orientations. Et il va même dire que multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous envoie sans programme. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est les projets de paix et non de malheur. Mais nous savons que nous avons un ennemi qui est terrible et redoutable. C'est quelqu'un qui ne nous aime pas. Quelqu'un qui veut nous voir souffrir. Quelqu'un qui vient toujours pour modifier tout ce que le Seigneur met à notre disposition. Et dans notre naïveté, quand nous ne comprenons pas les choses, nous tombons dans son piège. C'est la raison pour laquelle moi, dans ces temps d'alignement, je veux t'amener à prier que même la nature s'aligne afin que tu puisses accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé. Toi-même, tu peux être obéissant à Dieu, mais la nature, lorsqu'elle est manipulée par le diable, c'est à toi de pouvoir la remettre dans le diapason. Parce que Dieu a parlé à Jésus, à Job. Il a dit à Job, est-ce que tu as déjà commandé au matin depuis que tu existes? Est-ce que tu as montré à l'aurore sa place afin qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle secoue les extrémités de la terre pour faire tomber les méchants qui sont dedans? Combien de personnes n'ont pas vu leur vie être précipitée quelquefois à cause de la pluie? Tu roules et puis voilà, la pluie est tombée, le diable a fait tomber la pluie, la voiture, les roues glissent et puis boum, accident de circulation. Et puis voilà, tu es parti. Combien de personnes? Alléluia. Oh non, Dieu a donné, Dieu a repris. Ça, c'est une parole que je n'aime pas écouter. Parce que Dieu donne, il reprend, oui, mais il reprend son temps. Il ne reprend pas avant. Il ne reprend pas par manipulation du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est important ce que je vais partager avec vous cet après-midi comme point de prière. Et ma prière est que tu te mettes vraiment à prier. Tu te mettes vraiment à prier. Et que tu refuses que la nature travaille contre toi. C'est-à-dire que toi, tu vas planter, par exemple. Et quand tu vas planter, au lieu que Marco s'y prenne les Bézaïa, écoute ce que le Seigneur dit à Adam. Écoute ce que le Seigneur dit à Adam. Dans le jardin de Dieu. Il dit, Adam, à cause de toi, la terre sera maudite. Vous comprenez ça? À cause de toi, la terre sera maudite. Il n'a pas dit, Adam, je te maudis. Vous savez que Dieu n'a pas maudit Adam. Parce que Dieu ne peut pas se maudire. Hein? Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu a maudit la terre. Parce que Adam, c'est l'image et la ressemblance du Dieu ne peut pas se maudire. Mais il a maudit l'environnement. Alléluia. Il a maudit l'environnement. Il a dit, Adam, à cause de toi, la terre sera maudite. Tu vas manger à la sueur de ton front.
C'est-à-dire que tu vas transpirer pour manger. Maintenant, ce que tu dois savoir, Adam, la terre va te produire les ronces. Ça veut dire qu'au lieu que la terre puisse te produire les fruits, elle te produira les ronces. Voilà pourquoi il fallait que la mort de Jésus, le sang de Jésus puisse tomber sur la terre. Pourquoi? Pour que la malédiction qui avait été prononcée sur la terre, pour que la terre soit délivrée. Mais le diable manipule la terre. Le diable peut manipuler. Aujourd'hui, vous avez par exemple, dans certains pays, là où on fait l'agriculture, on fait quoi? On manipule la terre avec des engrais pour faire pousser. Hein? On manipule les semences. Tout est manipulé aujourd'hui. La loi des éléments. Il faut prier contre la loi des éléments de la nature. C'est très important si tu veux accomplir ta destinée. Parce que Josué que nous avons, que nous voyons, que nous sommes en train de lire tout à l'heure, nous avons déjà lu le chapitre 1, le Seigneur avait parlé à Josué. Le Seigneur a dit à Josué, c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple dans le pays que moi j'ai promis à leurs parents. C'est toi qui le feras. Moïse avait reçu la prophétie. Moïse était celui qui était censé faire rentrer, bien aimé dans le Seigneur, le peuple dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse avait désobéi à l'instruction de Dieu. Alléluia. Moïse avait désobéi à l'instruction de Dieu. Nous ne sommes pas encore venus là-bas pour prier contre la désobéissance. Alléluia. Contre l'esprit de désobéissance. Contre l'esprit de, qu'on appelle ça, prier contre l'esprit de désobéissance programmée. L'esprit de désobéissance programmée. Nous allons peut-être attaquer ça demain matin pour ceux qui sont connectés. La prière contre les esprits de désobéissance programmée. Il y a des esprits de désobéissance qui sont programmés pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ces esprits de désobéissance-là, ce sont des démons qui sont téléchargés dans le ventre du temps pour se manifester devant une situation particulière qui va te faire, qui va chambouler ta destinée. C'est ce qui arrive à Moïse. Et ça, souvent, la plupart de ces esprits-là sont provoqués par rapport aux personnes qui t'entourent, aux personnes qui sont autour de toi. Parce que les personnes qui sont autour de toi peuvent te pousser à faire quelque chose qui va irriter Dieu. Les esprits de désobéissance programmés. Alléluia. Demain, on va prier là-dessus, on va prier contre eux. Les esprits de désobéissance programmés. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, je suis en train de parler sur prier contre la loi des éléments de la nature qui peuvent modifier notre destinée. Alléluia. Et nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu ou encore qui peuvent modifier notre destinée aussi pour nous permettre de rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Et typiquement, le Josué, c'est un exemple bien clair dans le livre de Josué au chapitre 10. Je suis là déjà dessus. Donc, si tu peux maintenant tourner, quitter Josué chapitre 1 pour aller dans Josué chapitre 10. Je suis principalement au chapitre 10 et je suis à partir du verset 12. Alléluia. À partir du verset 12. Voilà, je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. À partir du verset 12. Pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi nous parlons ici. Je vais lire à partir du verset premier, ce sera un peu long, mais c'est mieux que vous puissiez vous savoir en fait de quoi nous sommes en train de parler. Souvenez-vous qu'au chapitre 1, Dieu a dit à Josué que c'est toi qui dois faire rentrer le peuple. Maintenant, il y a des choses qui se sont passées parce qu'au chapitre 6, Josué va perdre la bataille. Il va perdre une bataille et Josué va avoir peur. Alléluia, de continuer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous avez eu des victoires dans le passé. Maintenant, vous êtes tombé dans une situation où vous avez échoué et c'était terrible. Donc, vous avez maintenant peur de repartir parce que vous dites que ce sera encore plus terrible. Et là, Josué va aller consulter le Seigneur. Nous sommes au chapitre 10. Quand Josué va venir consulter le Seigneur, je lis directement à partir du verset 4. « Montez vers moi et aidez-moi afin que nous puissions frapper Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » Donc, en fait, c'est cinq rois qui se sont réunis. Hein. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachish, le roi de Eglon,
se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Verset 8, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Aaron et les battit jusqu'à Ézéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Hamon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Ézéka et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres. Et les pierres de grès furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Ici, vous voyez, on parle des pierres de grès. Cela veut dire que la nature s'était mise en mouvement pour combattre contre qui? Contre les ennemis de l'Éternel. Les pierres de grès. C'est-à-dire que de la même manière que le diable peut utiliser la nature pour te combattre, hein, donc modifier négativement ta destinée, toi-même aussi, tu peux solliciter la nature qui est déjà ton allié par essence pour pouvoir neutraliser les actions de l'ennemi. Je continue la lecture, je suis au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. J'aime tellement ce passage. Josué chapitre 10 au verset 12. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. Il dit en présence d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce passage est enregistré dans le livre, c'est parce que le Seigneur voulait que nous puissions le connaître. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance au Makassataraba, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de justice, de juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix des noms, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que l'Éternel combat pour toi. Tu dois savoir que l'Éternel combat pour toi. Alléluia. La parole de Dieu dit que Jésus a parlé au soleil. Il a parlé à la lune. En fait, un homme a ordonné à ce que le soleil ne se couche pas, parce qu'il fallait qu'il remette les pendules à l'heure. Il fallait que les ennemis soient totalement exterminés. Parce que la nuit pouvait être pour eux une porte de sortie. Hein? Vous voyez, par exemple, vous savez ce qui s'est passé par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez écouté l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque l'armée rouge va pouvoir envahir, neutraliser l'armée ennemie, c'était à cause de quoi? Parce que l'armée ennemie avait déjà l'avantage. Il était déjà en train de posséder, de prendre le territoire. Je n'ai pas envie de citer les pays ici parce que nous sommes déjà à la porte même d'un conflit, donc on ne pourrait pas rappeler les choses bizarres. Mais l'histoire nous dit que la nature, c'est-à-dire qu'à cause du froid qui était descendu subitement. Alléluia. Et que l'armée opposée n'était pas préparée à pouvoir combattre pendant le froid. L'armée rouge a pris le dessus sur l'autre et a pu neutraliser.
C'est-à-dire que les éléments sont santé. La nature est censée travailler pour toi. Alléluia. La nature est censée travailler pour toi. Tu vas dire, oh non, voilà, on dans l'hiver. Il va falloir que je puisse aller prendre mon vaccin par rapport à la grippe. Parce que je sens que la grippe va me terrasser. Tu t'es déjà livré. Quand Dieu t'a créé, il a dit à la grippe de venir dedans. Alléluia. Donc vous voyez que bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous-mêmes nous provoquons. Il y a des choses, c'est-à-dire que l'ennemi dit, bon voilà, j'attends le printemps, je vais vous envoyer une maladie, vous allez me sentir. Alléluia. Alléluia. La loi des éléments. L'homme a dit ici, soleil, arrête-toi. Lune, arrête ta course. Je dois finir avec les ennemis de l'Éternel. Je dois finir avec les ennemis d'Israël. Je dois finir avec ceux-là qui sont devenus des ennemis. Il a parlé aux éléments de la nature. Est-ce que Jésus ne l'a pas fait lui-même? Jésus l'a fait. Jésus était dans la barque. Et la tempête s'est levée. Le diable allait provoquer la tempête. Il allait provoquer l'ouragan. Hein? Est-ce que la tempête-là ne savait pas que ça, c'était un enfant de Dieu qui était dedans? Si, mais le pauvre, il était manipulable. Donc, le diable l'a manipulé. Alléluia. Mais vous allez voir que Jésus s'est levé et Jésus a, la Bible dit que et Jésus a menacé la tempête. Alléluia. Jésus a menacé la tempête. Jésus n'a pas dit à un démon qui était derrière là, sort. Il a menacé la tempête. Il a dit, calme-toi. Pourquoi tu réponds à Satan? En fait, moi j'interprète. Calme-toi. Donc il y a des choses que tu dois ordonner de se calmer. Alléluia. Tu dois ordonner que ça puisse se calmer. Alléluia. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons prier maintenant. Donc toi-même, tu connais les challenges et tu connais les défis qui sont rattachés à ton existence et à ta vie, à ce que tu vis en ce moment, à ce que tu as vécu déjà. Et tu sais que l'ennemi est toujours passé par de la même manière à une saison. L'ennemi a toujours utilisé certaines choses pour pouvoir te neutraliser. Cet après-midi, je veux tout simplement que tu sois free, que tu sois libre de prier, que tu ne sois pas influencé par qui que ce soit, mais que tu sois libre de prier selon que le Saint-Esprit te pousse. Mais nous prions contre les éléments de la nature qui travaillent, qui sont manipulés pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Et nous prions pour, nous prions aussi pour que ces éléments de la nature s'alignent. Amen. S'alignent derrière ce que le Seigneur a dit concernant nos vies. Souvenez-vous de la prière de Jean-Baptiste. Souvenez-vous de ce que l'on dit de Jean-Baptiste. Il est la voix qui crie dans le désert et qui dit « Aplanissez les montagnes. » Alléluia. « Comblez les vallées et que les sentiers tordus soient remis droit. » Alléluia. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et parle à Dieu de là où tu te trouves. « Kosi pratazo. Rabasata kato si brede. » Maman Samantha, que Dieu te bénisse. C'est bien de te voir connecté cet après-midi. Élève ta voix et prie. Ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les éléments que l'ennemi a montés contre toi, la nature que l'ennemi a montée contre toi, la nature que l'ennemi utilise comme un véhicule pour amener la maladie dans ta vie, pour amener les problèmes, pour amener les plaies, pour amener les épidémies, pour amener les problèmes bizarres. Quelqu'un va dire, oh non, j'avais une saison de problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, sors de cette saison. Ordonne à la saison dans laquelle nous sommes d'être une saison favorable pour toi. Ordonne, on s'en fout de tout ce qui peut être en train de se passer autour de toi. La Bible déclare qu'ils étaient dans le désert, mais dans le désert, ils mangeaient des gâteaux qui étaient faits au miel et ils buvaient l'eau qui sortait du rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, ils mangeaient de la viande fraîche. Cela veut dire que tu peux être dans un désert, mais parce que tu comprends la loi des éléments. Parce que comment tu peux comprendre que les gens sont dans le désert et dans le désert, ils vont boire l'eau. Je sais que dans le désert, il n'y a pas souvent l'eau. Mais eux, ils buvaient l'eau qui sortait du rocher. C'est-à-dire que l'eau minérale, l'eau qui sort de la tête du caillou. Et ils mangeaient la viande fraîche. Je ne comprends pas que dans le désert, on va trouver la viande fraîche. Bien aimé, parce qu'ils vivaient selon la prophétie. Ils vivaient selon la prédestination. Ils vivaient selon la provision divine. Et cet après-midi, je vais t'encourager à te connecter à la prédestinée afin de pouvoir modifier ta
destiné à partir de la modification des éléments qui sont engagés contre toi. Élève ta voix et prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kato Sepre Kata Rabatos, mon côté Zaki, Makadabrosian élevé. Oh, Sandaraba, je parle à l'Éternel Père à chaque élément de la nature. Je parle à l'Éternel Dieu à chaque élément de la nature. J'ordonne l'Éternel un alignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un alignement selon ma prédestinée. Un alignement selon ma prédestinée. Rabasatakata, l'ébrosoute, kériamando, sotorobo, que toute montagne qui s'est érigée et qui ne doit pas exister, oh massacre, les montagnes que l'ennemi a positionnées, les montagnes que l'ennemi a créées, Rabba, Samoro, Poriande, Perakada, Skudiskada, Guri, Amanda, Santaraba, pour modifier ma destinée. Pour modifier le plan de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde concernant ma vie. Seigneur, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne un alignement selon le plan divin. J'ordonne un alignement selon les desseins qui ont été arrêtés dans ma prédestinée. Rabo Soto Kuparabayan de Rebe. Rebo Soparaya. Kabaria, Kabaria, Kabaria. Au nom puissant de Jésus-Christ, rebosse tes rêves quand tes rêves ont des rêves. Je parle à l'air, je parle aux saisons, je parle, Éternel Dieu de gloire, à la terre, je parle aux eaux. Et Moussouka Parandos Opreke Darabaha, je parle aux eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute manipulation dans le monde des eaux, et Kibrosoukerebe, avec mon nom, avec le nom de mes enfants, avec le nom de ma famille, ce matin, cet après-midi, Seigneur, au nom de Jésus, je parle à l'eau, et yakasuku kobrakataya, que les esprits que l'Éternel a envoyés pour gérer l'eau, mosoko, ribakata, se tournent maintenant à ma faveur, qu'ils travaillent pour l'avancement, qu'ils travaillent pour l'accomplissement de la prophétie qui est rattachée à mon existence, et que tout démon qui est dans l'eau, les esprits de sirènes, les esprits sirois, les démons qui travaillent dans l'eau et qui manipulent l'Éternel à partir de l'eau. Mosuke kaparazuku kapara, la destinée éternelle du peuple de Dieu, qui manipule ma destinée, qui manipule éternelle la destinée de mes enfants à partir de l'eau, en utilisant l'eau. Makapo rokosia makana, je parle à l'eau. Kuzuka rakaya, berekezika. Montoke Pelegedao, Okozika Paya, Mikutuku Kakaya Mazotoro Buswanderebe, Reketeke, la parole déclare, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'eau. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de l'eau soit soumise maintenant et qu'elle s'aligne à l'accomplissement de la parole prophétique qui a été libérée avant la fondation du monde concernant mon existence. Que toute puissance, que tout pouvoir satanique qui provient de l'eau, qui utilise la puissance de l'eau pour amener une modification dans ma prédestinée, dans ma destinée. Cet après-midi, je me tiens sur l'intégrité de ta parole. Tu as dit, Seigneur, qu'il domine sur les eaux, sur les poissons. Qu'il domine sur les poissons. Le poisson vit dans l'eau. Seigneur, tu as ordonné la domination sur la mer, sur l'eau. Je commande à la mer, je commande à l'eau de travailler à ma faveur. Je commande à toutes les entités qui existent et qui travaillent avec l'eau de pouvoir travailler en faveur de l'accomplissement de la parole prophétique rattachée à ma destinée. Cet après-midi, j'ordonne un alignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kosukaya, un alignement selon le plan divin, que tout pouvoir mystico-satanique, occulte, sorcière, qui utilise l'eau pour amener des manipulations, pour créer éternel père, des actions confuses et contraires à ce qui a été prédestiné concernant mon existence. Cet après-midi, par l'autorité de la parole, au nom de Jésus-Christ et par la loi de la légitimité, j'impose l'alignement, j'impose l'alignement, j'impose l'alignement aux eaux, j'impose l'alignement aux eaux, au pararia, riboko, makadus, kipraga, peri, amantoko, ligera, gadusia, rekemontos, ibrenekeligazua,
Bianda bante kele gezaou, aparato seke paragadia, mantanta lokoda, que les puissances des eaux, que les puissances des eaux, les puissances que l'ennemi utilise en utilisant le monde des eaux. Hey! Moko ramakadia mandozo ko paragadai, me kanta la hura, apere kele gezamatuli bana, montuli abahandele geya, par le sang de l'agneau, par le sang éternel, j'applique et kasoko makadaya, rumende kiporoya, bataya, bataya, masopokaya, je commande l'alignement, j'ordonne un alignement, j'ordonne une soumission au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet après-midi, au nom de Jésus, ayako, abarita, marata, soupreketa, ayeke monto sibregede, iyerebeza, iyerekabarazu ke pandabahaya, mentuli andalahaye, egeza matosi prakata, toute puissance, tout pouvoir, tout démon, ah, nekin toloboye, le pregede, le soupregede, kata ikata, rakata pasapa, repesa kata, mokura kataya, hey, masunte medegedio, operegede, ekerebozaya, 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 masatarabashanda, le katarabashanda, le brekata, le brekata, toi démon, toi puissance des ténèbres, qui manipule le mystère de l'eau, qui manipule l'eau, et yasakatoro foriamanere le kapa, azukeraba, qui utilise l'eau pour déclencher une modification dans ma destinée. Hey, cet après-midi, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, et yakasante, et par la loi légitime, oh, cet après-midi, j'impose un alignement parfait. Je commande un alignement parfait. Je commande un alignement parfait selon la prédestinée, selon ce qui a été décrit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tout ce qui a été déplacé soit remis à leur place concernant mon existence, concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants, concernant mes descendants. Je parle de l'alignement au nom de Jésus-Christ par la modification de toute manipulation des éléments des eaux. Au nom de Jésus, Kabo Zakaya, tout pouvoir diabolique, tout pouvoir satanique émanant des eaux ne peut avoir une autorité sur moi, car je domine sur toi, je domine sur tout ce qui est dans l'eau et sur tout ce qui se meut dans l'eau, selon qu'il est écrit. Yamakapa Rabo Sopé, Kekoko Kaparagaya, Mekundulukute, Egeria Masukurugude, Rebo Sotoko Makadiri Mandolo Bozaya, Le Gabarasute, Epere Kaba, Makatoria Baha, Hey! Mon sokoka, les envoûtements qui viennent du monde des eaux, les envoûtements qui viennent du monde des eaux, par les manipulations des esprits des eaux. Kosakaya makarato sopre, et beri abaratu sopara, ragada, mekosi katande, pire à toroboza, bendo kopakali gadouze, et beri kaparazuke, gandayo, gandayo, mondiri atara basute, les fétiches, les kapaya, qui sont faits à partir des esprits qui travaillent dans l'eau, mon pradarosupa, je parle à l'eau, hey! C'est celui que Jésus a changé en sang, Massamatoria, Moïse t'a changé en sang, Mosokopa, Aparatoskoparia. Je commande que tu sois changé en sang à chaque fois que l'ennemi tentera de t'utiliser. Mosuprekebrados, Oprekebragados, Parada, Parada, Mota Paragada, Epa, Ikatusopekerebe. Deviens nuisible pour l'ennemi, deviens inhabitable et immanipulable pour l'adversaire. Mosupre atoa, rigadou suprakataya. Jésus t'a utilisé pour donner à manger à Pierre. Cet après-midi, je commande. Hey, yamasatoro kabaya, mekundelena, amanduli apata, aparadoxo pregede, igadosko paragada. Je parle au monde des eaux, je parle à l'eau, je parle à la puissance déployée par l'éternel dans l'éternité. À partir de l'eau, causé, mais c'est que pas, rabakata, j'ordonne par mandat divin, j'ordonne par la loi de la légitimité, un alignement parfait, afin que cela concoure à mon avantage
pour l'accomplissement de ce qui a été prédestiné. Cette après-midi, au nom de Jésus-Christ, dans mon ministère, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, par rapport à mon existence, ma capo, par rapport à mon épouse, par rapport à ma famille, à mes fils, mes enfants spirituels, je parle à un alignement parfait. Je commande au nom de Jésus-Christ, tu n'utiliseras pas l'eau pour me détruire. Tu n'utiliseras pas le monde de l'eau pour détruire mon avenir, pour détruire l'avenir de mes enfants, pour détruire l'avenir de mon épouse, pour détruire mon ministère, pour détruire ma destinée, pour détruire ma descendance. Cet après-midi, je me tiens sur la montagne autoritaire de la prière et je commande un alignement parfait. J'exige au nom de Jésus-Christ de Nazareth aux eaux de la terre d'être soumis au Sokopara, à Boroke Makata. Tout ce qui est préparé en toi par l'ennemi pour pouvoir manifester cela et modifier la destinée. Cet après-midi, je commande un avortement, j'ordonne un avortement, j'ordonne une manifestation et un soulèvement contre toutes les actions incapables de sauter. Que les agadas, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, et je vis un ange puissant avec un pied dans l'eau et un autre pied sur la terre. Il tenait un petit livre. Cet après-midi, que l'ange puissant de l'Éternel, mandaté par Dieu pour contrôler l'eau et la terre, soit positionné maintenant à ma faveur pour que la parole prophétique libérée sur ma vie s'accomplisse cet après-midi. Au nom de Jésus, que l'alignement se passe au cabal des puissances des eaux, les puissances des eaux n'ont aucun pouvoir. Au nom de Jésus, Kaboza, et Parabosa, et Kaparosa, et Parabosa, et Kaparamaya, et Pandoro, et Parasia, les Bosukapaya, avant de les guéa, au Soko Paradino Bosaya, Mano, et le Via Zakator, au Chanda, au Via Tarabaya, le Kaboura, à ma Sokope, et à ma Borosikarabaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mekeka, Mikotos, Mikotesiko, Okun Teke Nigati, Amantu Kukarawa, Isaboto Kete Kadu, Apepiyano Soko Paya Anda, Mikoso Kite, Kiko Katipa Fatus, Ople Tandoso, Ople Kesi, Ople Kesi, Maki Koroko Nakarata Depre Sabana, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Sakarabaya Akata, Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Le diable, c'est un décimant de la chute. Il a touché Paul. Alors que Paul était mandaté par Dieu pour aller prêcher l'évangile. La Bible dit que lorsque Paul a parlé au commandant Bago, parce que le Seigneur avait le don prophétique en Paul, avait parlé à disant que la voie de voyage n'est pas un voyage facile. C'est un voyage difficile, c'est un voyage compliqué. Il ne faudrait pas partir. Paul a parlé, mais comme c'était un pauvre prisonnier élevé, lorsque j'ai un pauvre prisonnier, on est des coups de base. Ça veut dire que la salle, je suis pauvre, je n'ai pas écouté. Bienvenue dans le Seigneur. Mais lorsqu'ils sont rentrés, malheureusement, le temps était court, parce que la Bible dit à des que le temps était court. Alléluia. Bienvenue. Tu m'as vu que le temps est beau, mais il est déjà manipulé. Le temps est déjà manipulé. C'est-à-dire qu'il y a déjà une proclamation satanique par rapport au temps pour s'élever contre toi. La Bible déclare que lorsqu'ils sont lancés des amas, lorsqu'ils sont là, lorsqu'ils sont beaux, ils sont partis, ils ont libéré les voies de partir. Ils étaient déjà au large. Ils étaient déjà en plein milieu. Le Seigneur veut dire en plein milieu. Il sait que c'est plus facile pour le bénir. Il sait que la vérité est pour libérer la chose. Je prophétise cet après-midi, malgré toi, le Seigneur. Et j'ai déclaré que toute manipulation de l'ennemi en utilisant des éléments hiérarchiques, que le diable a programmé, que ce soit par avion, que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau, que ce soit sur la terre, qu'elle a commencé ma vie pleine place maintenant. Au nom de Jésus, c'est dans cet état. Au nom puissant de Jésus, mon socou par la terre, les autres alléluia. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés au milieu, le vent a commencé à souffler, la mer a commencé à se lever. Mon ami, le
le diable est arrivé de travail. Parce qu'il savait que dans ce bateau-là, il y avait une personne là, qu'on appelait un groupe, qui était un élément dangereux par rapport à son action. Bien dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, la Bible dit qu'un ange ne pourra pas l'oublier. Un ange de l'éternel n'est pas apparu pendant la nuit. Il a dit pour prendre courage, viens nous cacher de là. Vous voyez, vous savez que voilà, j'ai prié. Et l'ange de l'éternel, on m'a souqué dans ma carrière. Tu vas prendre ce point de prière maintenant. Tu vas dire au Seigneur que tout ange que tu as mandaté pour contrôler les éléments m'a souqué dans ma carrière. Laisse-moi, je te dis le passage de l'Apocalypse. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Parra santé de Katara Chandele. Rebou Sakata Mali. Soko Moko Tekere Shanda. Rabababa. Oh, my God. Oh, leprosi prete prete zibrode de dedire abadara dore de l'enelebe. Glory to God. Hallelujah. Mayan telebelebelebe zundelebe kabara sataraba chandelebe. Oh, sakataraba zundelebelebe. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 2. Apocalypse chapitre 7, verset 2. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes que la vie là, ce n'est pas comme toi tu penses. Ce n'est pas comme toi tu penses, bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 7, verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant. Oh! Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Oh, ma kalazou prépéta. Maman Philippe, est-ce que tu comprends la révélation ici? Cela veut dire que de la même manière que vous comprenez ce passage-là, ce que vous comprenez là, c'est-à-dire que le diable peut faire du mal à la terre. Il peut faire du mal à la mer. Comment le diable fait du mal à la terre? C'est-à-dire que le diable ordonne à la terre de ne pas te produire. Tu travailles fatigué, mais tu souffres malgré le travail, tu ne vois rien. La Bible dit qu'à cette époque, Isaac avait creusé. À chaque fois qu'Isaac creusait son puits, il trouvait de l'eau. Mais quand les autres creusaient, ils ne trouvaient rien. Obligé de faire la guerre à Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la différence? C'est-à-dire que tu pouvais venir creuser là, tu ne trouves pas l'eau. Quand Isaac venait creuser, il trouvait. C'était quoi la différence? Les éléments de la terre étaient en sa faveur. Yes. Ici, nous voyons dans Apocalypse 7, au verset 2, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des anges, il y a un ange qui se tient du côté du soleil levant. Là, vous avez dit que là, la tanière, là où le soleil s'élève, là, il y a un ange qui est là pour contrôler le soleil. Alléluia. Il y a des anges qui se tiennent dans les quatre coins. Je t'enseigne des choses cette année. Je te dis, mon ami, tu ne pourras plus laisser la place au diable. Le diable ne pourra plus utiliser la pluie pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Il ne pourra plus utiliser des éléments pour modifier. Oh non, vraiment, je ne comprends pas parce que j'ai décidé de faire telle chose. Voilà, maintenant, le temps s'est gaspillé. Mon ami, j'ai le témoignage de mon mentor dans la prière, l'archevêque Duncan Williams, lorsqu'il était en train de construire sa cathédrale au Ghana. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible, l'homme de Dieu fait le témoignage, il dit qu'il avait déjà monté le mur. Tout était déjà monté. Mais il n'y avait pas encore de toiture. Hein? Et alors que il avait déjà mis tout en place comme ça, une pluie bizarre. L'atmosphère a changé, bien aimé. L'ouragan est en train de se préparer pour venir tomber. Une pluie compliquée. Il est sorti de l'église, il s'est mis au centre de la construction, du projet de construction. Il a regardé le ciel. Il a dit, toi, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte là! Tu ne vois pas que je n'ai pas encore mis les toitures. Il a dit que tu tomberas seulement lorsque je vais mettre la toiture. Bien-aimé, ça s'est passé comme il avait dit. J'ai eu le privilège, j'étais parmi les premiers à avoir le privilège de voir ce temple sorti du ciel, de la terre, alors que c'était encore en construction.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'apprends pas à parler aux éléments de la nature, ça peut te porter préjudice. Combien de personnes ne sont pas mortes par accident de circulation après la pluie? Combien de personnes ne sont pas mortes par inondation? Combien de personnes n'ont pas perdu leur bien par inondation? La pluie est venue. Oh non, c'est la nature. Ils appellent ça les calamités naturelles. Calamité naturelle, ce n'est pas chez moi au nom de Jésus-Christ. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, dit la parole de Dieu. Mais de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Parce que la parole de Dieu dit, bien aimé, revenons dans la parole de Dieu. Ne cherchons pas à nous conformer au siècle présent. Non, vous savez, non, voilà, c'est comme ça, c'est la nature, la nature. La nature a un maintenant. La nature a un créateur. La nature n'est pas sortie elle-même. Alléluia. La Bible dit que la création tout entière soupire avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu. C'est le temps où tu dois te manifester pour soumettre la création, pour soumettre, alléluia, Maka Soko, tu vas prier encore avec moi cet après-midi. Alléluia, Marada Sotolo. Les sorciers, ils utilisent quoi? Ils utilisent les plantes, n'est-ce pas? Pour faire des envoûtements, ils vont utiliser les plantes, ils vont utiliser les oiseaux, les pauvres oiseaux, le pauvre corbeau. Le corbeau souffre. Quand un sorcier a envie de venir te faire du détail, il envoie un corbeau. Et puis tu crois, oh le sang de Jésus-Christ, le corbeau, au nom de Jésus, j'envoie le feu sur le corbeau. Mon ami, c'est un pauvre corbeau. Je vais te choquer parce que, est-ce que tu ne sais pas que c'est le même corbeau là que Dieu, c'est-à-dire que c'est l'ancêtre du corbeau là que Dieu a utilisé pour nourrir Élie. Donc cela veut dire que quand tu vas te rendre compte alors que le corbeau est un oiseau qui est manipulé par les démons pour vouloir accomplir le mauvais ministère. Mais toi aussi, tu peux dire à Dieu, tu peux parler au corbeau. Tu vas parler au corbeau, tu vas dire, corbeau, toi, tu as donné à manger à mon ancêtre prophète Élie. Pourquoi c'est moi que tu vas venir donner la nourriture du diable? Je te commande au nom de Jésus. Si le diable veut encore te mandater, dis, je ne parle pas. Tu as la couverture et l'autorité de celui-là à qui Dieu a dit que domine sur les oiseaux du ciel. Parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité de dominer sur les oiseaux du ciel. Alléluia. Bien-aimé, si tu as la chance d'être connecté ce soir, dis merci au Seigneur. Parce que ça là, tu ne m'as pas écouté, ça ne te parle. Alléluia. Ce sont des expériences. Lorsqu'on parle de la prière. Et à cause du programme dans lequel nous sommes, je suis obligé de te donner quelques secrets. Mais je ne vais pas aller très loin. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier encore ce soir? Makato Sokora Bazanderebe. Précosouté. Tu vas entendre dans les familles, oh non, voilà, notre totem, c'est le serpent. Notre totem, c'est elle. Cela veut dire que le diable est allé prendre le serpent pour cacher ta vie dedans. Le pauvre serpent. Oh, maman fille, pas n'y pas. Le pauvre serpent, la pauvre panthère. Oh non, notre totem, c'est la panthère. Mon Dieu, on a manipulé la pauvre panthère. Et oh non, moi je ne mange pas la viande de brousse. Parce que si je mange la viande de brousse, des choses bizarres vont me faire. Et pourtant Dieu, il n'a pas dit que tu dois manger le bœuf. Il a dit que tu dois manger la viande. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh non, c'est notre totem. Tu vas entendre que c'est notre totem. Tu as un totem, ton totem c'est Jésus. Alléluia. Oh, maman Christine, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Cet après-midi, tu vas prier. Je suis là. Tu vas prier encore. Nous avons encore 15 minutes à passer ensemble avant que nous ne puissions nous arrêter. Tu vas prier encore. Nous prions contre la loi des éléments manipulés. Contre la loi des éléments manipulés. C'est-à-dire que le diable utilise les éléments pour te manipuler. Il utilise la nature pour te manipuler. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable utilise la nature pour te manipuler. Pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Pour t'empêcher de recevoir ce que le Seigneur a appelé. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Comment vous allez comprendre? Maman Philippa. Paul, Pierre va pécher pendant la nuit. Un grand pécheur comme Pierre. Un homme agrégé en péchologie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le gars prend tout son arsenal. C'est-à-dire que le type, il est sorti d'une famille de grands pêcheurs. Il était agrégé dans le ministère de la pêche. Le type va se déplacer toute la nuit avec tout son arsenal. Avec tous ses généraux, avec tous ses colonels pour aller pêcher. Le diable dit que tu vas voir si tu vas taper quelque chose de jeune. C'est la raison pour laquelle le matin, quand il arrive, et puis le Seigneur lui dit, donne-moi ta barque. Et puis,
Il est là-bas, il parle au Seigneur, j'ai dit non. Il dit, mon frère, il faut laisser ça. Tu as fini de faire ce que tu faut laisser. Moi, là, je suis né dans la pêche. Je connais l'eau. Il ne savait pas que le créateur de l'eau était là. Il dit, je connais l'eau et je connais les poissons. Les poissons m'appellent tonton. Mais je te dis que toute la nuit, on a pêché, on a rien trouvé. Mais le Seigneur lui a montré qu'il contrôle l'eau. Il a dit, la Bible dit dans Genèse, vous allez dominer sur les poissons de la mer. Le Seigneur lui a montré qu'il contrôlait l'eau. Il lui a dit, Pierre, je sais que tu es un pêchologue agrégé. Mais tu es un pêchologue agrégé selon la norme humaine. Mais moi, je suis le créateur de l'eau et des poissons qui vivent. Maintenant, écoute-moi. Prends ton filet puis jette. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'eau a écouté la parole de son créateur, l'eau a appelé les poissons. Vous êtes où? Venez ici. Le maître vous appelle en réunion. Le Pierre a déjà fini d'écouter la parole. Vous aussi venez écouter la parole. Maman Philippe, est-ce que tu sais que les poissons de la mer avaient été convoqués pour venir écouter l'évangile? Maman Philippe, ça là, tu n'as jamais entendu ça. Je vous dis que ces jours après que Jésus ait prêché, quand il a dit à Pierre, jette ton filet là-bas, il était en train de dire, il a dit qu'il avait déjà convoqué les poissons. Venez écouter l'évangile. Moi-même, je suis arrivé. Voilà pourquoi Pierre, le jour-là, il a fait une prise qu'il n'avait jamais faite. Parce que tout, ce jour-là, tous les poissons sont venus. Que non, le maître est là-bas, il faudrait qu'on écoute l'évangile. Alléluia. Lorsque tu maîtrises l'autorité que Dieu a investie en toi pour contrôler la nature, il y a des choses que le diable ne va pas l'utiliser pour venir te manipuler. Parce que je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, la femme de Pierre ce jour-là, c'est sûr qu'elle avait déjà pris l'argent des gens pour vendre le poisson, parce que c'est sous commande, elle avait déjà pris l'argent. Que non, mon mari arrive avec le poisson, donc vous allez se battre. C'était compliqué. Vous savez que Paul, Pierre, c'était un homme qui aimait la famille, non? Il parlait toujours de sa belle-mère et tout ça. Donc, c'est même le premier qui a dit à Jésus, attends, toi là, tu nous as fait quitter nos affaires. Nous, on gagne quoi là-dedans? Amen. Donc, il fallait que Jésus arrange un problème. Vous pensez que je suis anglais? Bien aimé, là, le Seigneur, c'était un problème grave. La loi de la nature, le diable peut manipuler ça. Satan sait que tu es un chasseur. Il va s'arranger à ce pays. Toutes les bêtes de la forêt, là où tu mets tes pièges, là, il n'arrive pas. Il va aller dire, ne partez pas là-bas. On doit déjà piéger. Mais en ce temps, tu meurs de faim à la maison. Hein? Tu es un pécheur. Voilà pourquoi vous voyez les pécheurs d'aujourd'hui utilisent les fétiches. Vous savez pas ça? Les pêcheurs d'aujourd'hui utilisent les pêches, les fétiches. Si moi, on vous dit même, beaucoup d'entre vous, là, on a même plus mangé le poisson. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Parce que vous n'avez plus mangé le poisson. Je vous dis la vérité. C'est pas que moi, c'est pas qu'on m'a dit. J'ai des preuves. Et tu dis des choses compliquées. Là, tu trouves un bon poisson, là, bien un bon rouge, un bon poisson bien frais. Et puis tu es content, tu vas manger. Tu ne sais pas comment la pêcher. Mais écoutez l'histoire de monsieur là qui était allé et prendre une femme et puis la femme là faisait sortir le poisson de cette partie et puis pour vendre. Alléluia. Tu vas prier contre la loi des éléments. J'ai terminé. Alléluia. Tu vas élever ta voix de là où tu es. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix que la loi des éléments que l'ennemi utilise pour modifier ta destinée, même pour vouloir atteindre à ton intégrité physique, pour vouloir détruire tes enfants, pour vous garder dans les liens. Il y a des gens dont les vies ont été cachées dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a pris ta vie, on a jeté les cadenas, on a dit que, bien aimé dans le Seigneur, élève ta voix et commence à prier. Commence à parler à l'eau, que tout ce qu'on a mis en toi qui me concerne pour bloquer mon avenir, pour bloquer mon mariage, pour bloquer ma vie, pour bloquer mon avenir, pour bloquer ma famille, pour bloquer ma descendance. On ne peut pas vivre tranquillement. On nous a dit que l'eau est notre totem. Les esprits des eaux sont notre totem. Élève ta voix et commence à te dégager de tout ça. Élève ta voix. Tu as le contrôle sur ça. Ce n'est pas eux qui ont le contrôle sur toi. Comment? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toute manipulation de l'eau concernant ta vie, d'être neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Nous prions contre la loi des éléments de la nature. Nous prions contre la loi maudite. Manipuler des éléments de la nature par Satan. Élève ta voix et parle et commande un alignement selon le plan de Dieu.
commande un alignement selon le plan de Dieu. Commande un alignement selon le plan de Dieu. Selon la prédestinée. Commande un alignement. Que l'eau se retourne contre tous ceux qui se sont retournés contre toi. Que l'eau se retourne contre tous ceux qui se sont retournés contre toi. Pour modifier ta destinée. Pour te rendre esclave. Pour te rendre célibataire. Pour te rendre sans enfant. Pour te rendre vagabond. Pour te rendre même prostitué. Pour te rendre bizarre. Bien-aimé dans le Seigneur, les esprits des eaux qui travaillent avec le monde des eaux pour amener la confusion dans la vie des gens. Cet après-midi, commence à prier maintenant que toute manipulation du monde des eaux par des entités sataniques pour modifier ma destinée cet après-midi par l'autorité de la parole, je commande un alignement parfait. Je commande un retour à la parole prophétique prédestinée concernant ma vie, concernant mon existence. Satan, tu as trop fait, tu as trop utilisé les eaux pour me détruire. Cet après-midi, je neutralise, je commande une réorganisation spirituelle, une réorganisation de la loi des éléments de la nature, en particulier de l'eau, au nom de Jésus-Christ, que le pouvoir satanique qui provient du monde des eaux soit prié et soit maintenant neutralisé par rapport à ce qui a été dit. La Bible déclare que je dominerai sur les eaux, et je déclare cet après-midi, le pouvoir et la puissance du sang de Jésus-Christ qui actionne l'ange de l'Éternel qui a un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Cet après-midi, je contrôle l'eau, je contrôle la puissance de l'eau, je contrôle la puissance de l'eau au nom de Jésus-Christ. Toute manipulation du monde des eaux pour modifier ma destinée, pour modifier la destinée de mes enfants, pour modifier la destinée des enfants de mes enfants, pour ma descendance, ma famille, mon foyer, mon épouse. Cet après-midi, au nom de Jésus, Éternel, mon Père, par l'autorité de la parole et l'intégrité de la parole, j'impose l'alignement, j'impose l'alignement. Je commande à l'eau de rejeter tout ce qui a été investi en elle pour manipuler ma vie, pour manipuler ma destinée. J'ordonne au monde des eaux, j'ordonne au monde des eaux et je parle aux entités qui ont été mandatées par l'Éternel pour veiller sur les eaux. Que toute manipulation de l'ennemi avec l'eau pour modifier ma destinée négativement soit neutralisée et bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ressources matérielles, financières, toutes ressources relationnelles, toutes ressources, oh Père, que l'ennemi a englouti en manipulant l'eau, contre ma vie, contre ma destinée, contre Éternel la prophétie, contre Éternel Dieu de gloire à ma vie, que toutes ces manipulations soient bannies, neutralisées, et que tout esprit derrière Éternel soit mis aux arrêts. Au nom de Jésus, j'ordonne l'alignement, Hey, Kamala Sakatara Boswande, qu'il y ait une harmonie entre l'eau et la parole prophétique qui a été libérée par l'Éternel avant la fondation du monde concernant ma vie. Qu'il y ait une harmonie entre la parole prophétique libérée par l'Éternel avec toutes les entités que l'Éternel a mandatées pour veiller sur les eaux concernant ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, cet après-midi, Kaparazua, Abandolobo Sakatakaya, Aparagazuke Panterebeyo, Okota Makatayi Kotokoyaba. Tout pacte, toute alliance que mes descendants, que mes parents, mes arrière-parents ont fait avec le monde des eaux pour me vendre et pour manipuler ma destinée et manipuler la destinée de mes enfants, pour modifier le plan de Dieu en me vendant et en vendant la descendance avec les esprits des eaux. Cet après-midi, par l'autorité de la parole et la déclaration de la parole, je déclare la destruction de cette alliance. Je brise l'alliance et je déclare au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu qui déclare la mort et la vie sont sous le pouvoir de la langue et ceux qui aiment mangeront les fruits. Je déclare un nouvel alignement. Je déclare un retour à la parole prophétique qui a été déclarée par le Seigneur, que les entités qui œuvrent dans le monde des eaux, dans le monde mystique et qui ont fait alliance avec mes descendants soit neutralisé. La parole déclare que les fils ne payeront pas les péchés de leur père, ni les filles, les pères, les péchés de leur fils. C'est l'âme qui mourra, c'est l'âme qui a péché qui mourra. Cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, je me détache, moi et ma descendance,
de tout pouvoir manipulatrice, de tout pouvoir manipulateur, des eaux qui modifient ma destinée. Au nom de Jésus, je parle à la nature de l'eau. Je parle au nom de Jésus. Que les eaux qui veulent me manipuler soient changées en sang. Que les eaux qui veulent me manipuler, moi et mes enfants, soient changées en sang. Que les eaux qui veulent manipuler mes enfants soient changées en sang. Que les eaux qui veulent manipuler mon épouse soient changées en sang. Que les eaux qui veulent manipuler ma destinée soient changées en sang. J'ordonne un alignement. J'ordonne un alignement. J'ordonne un alignement. Selon le plan de Dieu, j'ordonne une harmonie selon la parole prophétique divine libérée par l'Éternel concernant mon existence. Au nom de Jésus, cet après-midi, ma sotorogo et parato parabaou. Mon tout les bayago. Au gosia, a pereke mandala basu telebea. Ma sécurité, ika la batos, ika mantoulibaya. Antulibaya kata, rebosoko pakida, abreke kego, kouza maka, menkentuligeya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ainsi soit-il. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que tout ce que les sorciers ont utilisé, en utilisant l'eau pour te manipuler, en utilisant l'eau pour te bloquer, j'ai dit avec cette prière, l'eau lui-même, elle-même l'eau va dire aux démons qui sont venus habiter en elle, s'il vous plaît, l'affaire là devient compliquée, l'eau du roi là-bas est en train de parler, donc il faut quitter. Alléluia, tu vas sortir de l'envoûtement des eaux. Alléluia, tu vas sortir des choses, quoi. Écoute-moi bien, mesdames et seigneurs. Tu entends les gens dire, non, voilà, vraiment les esprits des eaux là, ils sont terribles, les esprits des eaux, mais pourquoi toi tu ne montes pas à l'eau? Ils vivent dans l'eau, non? S'ils vivent dans l'eau, ils travaillent dans l'eau. Comment dans l'eau de leur demander de partir? Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, vous savez, lorsque vous allez en Asie, au Moyen-Orient, en Israël, vers Jéricho, je crois que c'est vers Jéricho, après Jéricho, vous dépassez Jéricho, il y a ce qu'on appelle la mer morte. La mer morte. J'ai eu le privilège d'aller à la mer morte, de voir, de visiter la mer morte. Vous savez pourquoi on dit qu'elle est morte? C'est parce qu'elle est saline, c'est ça, non? Ça veut dire que le taux de sel est tellement élevé là-bas. Et quand tu te jettes dans cette eau, tu ne te noies pas. Je peux vous encourager. Avant que vous ne puissiez repartir vers le Seigneur, allez quand même faire un tour. Demandez à Dieu la grâce de vous permettre de faire un tour pour aller visiter ce site-là. Ça existe. Moi, j'étais. Tu peux aller au large comme quoi. Tu ne tombes, tu ne. Tu donnes 5. Tu ne te noies pas. Tu flottes. J'ai dit, waouh, ça, c'est quel genre de choses que Dieu fait comme ça. Tu flottes et tu vas voir tellement de gens, surtout en été, il y a tellement de gens qui y vont. Tellement. Alléluia. La nature est soumise au Fils et aux filles de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La parole de Dieu dit que la création toute entière soupire avec un ardent désir à la révélation des fils. Parce que bien aimé, la création sait que même les démons sont venus la posséder. La création, c'est ça. Les arbres de la forêt savent que le diable est venu les posséder. Au lieu qu'ils soient des yeux qui soient utilisés à bon escient, le diable les manipule pour détruire les vies des gens. Comment vous allez vous rendre compte qu'un arbre, ça là j'ai vu ça, j'étais encore un peu plus jeune, j'allais souvent faire les plantations avec ma mère et on passait souvent dans une forêt, là où il n'y avait que des arbres avec les cadenas dessus et les chaînes. Au Gabon. C'est-à-dire que la forêt là, les gens qui sont au Gabon connaissent le nom de la forêt là. Les arbres, les grands arbres avec les chaînes, c'est-à-dire qu'il y a des cadenas, les noms des gens, les cadenas avec les chaînes. J'ai dit, à l'époque, je ne connaissais rien. Je posais souvent à ma mère la question, mais maman, pourquoi les arbres là, les cadenas comme ça là, c'est quoi, c'est ça? Ça, c'est quel genre d'arbre? C'est là où ma mère me disait que ce sont les gens qui viennent faire les fétiches. Je n'étais pas encore chrétien, je ne connaissais pas encore tout ce que je connais aujourd'hui.
Mais je vous dis la vérité que si je connais. Aujourd'hui, la forêt, elle est en train d'être coupée. Donc, il y a des gens qui sont en train de construire. Mais je vous dis la vérité que si je connaissais à l'époque, je serais parti avec une bouteille d'huile d'onction là-bas. Bien prier dans le jeûne pour détruire tous les plans des gens là. Il devait avoir des divorces partout, partout, partout. Des gens qui devaient faire des pauses. Parce que les larves là, c'était sont des gens qui venaient l'utiliser pour faire les fétiches. Ils vont attacher les maris, d'autres vont attacher les femmes, d'autres vont attacher le directeur de l'entreprise, d'autres vont attacher les gens, attacher les finances des gens, même les bailleurs qui vont attacher les locataires pour que le locataire reste là seulement esclave de payer tout le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie qu'à la fin de ce programme, tout soit aligné comme le Seigneur a dit dans ta vie et que tu connaisses le plan parfait de Dieu, ce qui a été préparé, prédestiné par le Seigneur concernant ta vie et ton existence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là parce que ce soir, nous allons avoir l'opportunité de continuer encore dans nos 2 heures de prière, donc de 20h à 22h, avec le serviteur de Dieu, l'apôtre Paolo, docteur de l'Angola, qui sera avec nous ce soir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous invite demain matin encore, à partir de 5h, je serai là pour continuer notre programme sur la prière par rapport à la loi des éléments. Demain, nous allons parler sur la désobéissance programmée. C'est-à-dire qu'il y a une désobéissance qui a été programmée dans le ventre du temps. Et cette désobéissance se fait que c'est pour venir modifier ta destinée. C'est-à-dire que on va utiliser le cas de Moïse. Ouais, Moïse a désobéi, pas parce qu'il voulait, mais à cause de la pression du peuple. Donc, le diable a vu ça comme une porte ouverte et il a modifié la destinée de Moïse. Moïse, qui était censé rentrer dans la terre promise, n'est pas rentré, juste à cause de l'acte qu'il avait posé. Demain à 5h, ne dors pas. Toi qui dors beaucoup, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Lève-toi pour venir remettre en ordre certaines choses qui sont connectées à ta vie. Et le Seigneur, alléluia, sera content de voir que son plan concernant ta vie est arrivé à la manifestation. Que Dieu te bénisse, reste connecté par rapport à ce soir, avec le docteur Paolo qui va nous entretenir. Shalom, shalom, shalom. Accepter à cause de l'ignorance. Amen. Amen. Pourquoi Jésus dit mon peuple est péri à manque de connaissance. L'alliance va te préserver de certaines situations que tu ne peux pas combattre. Il y a des démons que Amen. Tu ne peux pas combattre. Amen. Tu as besoin d'être dans une alliance. Tu ne peux pas être à l'église. Tu as un père et tu n'es pas en alliance avec cet homme. Amen. C'est pas possible. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, si toi-même tu ne reconnais pas tes enfants, vont voilà pourquoi il faut toujours faire rien. Tu as besoin de l'alliance. Tu as besoin de rentrer en alliance avec ton Père spirituel. Sérieusement.